Bienvenue sur Mercato TV. Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l'Europe, mais il y a encore des mouvements en cours. L'histoire d'amour entre le FC Barcelone et Léo Messi a pris fin à l'été 2021, lorsque l'Argentin a dû faire ses valises pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais le champion du monde 2022 aurait pu faire son retour cet été, libre de tout contrat. Cependant, la Pulga avait préféré prendre la direction de l'Inter Miami et la Major League Soccer. Pour autant, la possibilité d'un retour au Barça est toujours possible. Arrivé en juillet dernier, Lionel Messi a connu un début de saison canon avec l'Inter Miami avant de vivre des semaines plus compliquées durant lesquelles, l'Argentin, gêné par une fatigue musculaire, n'a pas joué. Actuellement, plusieurs sources affirment qu'un retour du septuple Ballon d'Or au FC Barcelone est évoqué. Au début de l'été, avant que le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami ne soit officialisé le 15 juillet, de nombreux fans de Barcelone pensaient encore qu'il pourrait plutôt retourner en Catalogne. Cela n'a jamais vraiment eu de sens. Le Barça a exploré la possibilité de ramener Messi, mais il ne pouvait pas garantir que sa situation financière le permettrait. C'est exactement ce qui a conduit Messi à quitter Barcelone en 2021. Il avait accepté un nouveau contrat, mais en raison des règles de plafond salarial, ils n'ont pas pu l'inscrire pour jouer dans la Liga et il a donc dû y aller. Messi a exprimé son désir de revenir au Camp Nou depuis qu'il a quitté l'équipe pour le Paris Saint-Germain en 2021. Selon le média espagnol AS, via ESPN, le retour de Messi est une possibilité mais uniquement dans le cadre d'un prêt. Cela lui donnerait l'occasion de faire ses adieux aux fans devant lesquels il a joué pendant 17 ans. Alors que Lionel Messi a obtenu le feu vert pour un transfert à Barcelone, c'est désormais à la star de décider quelle est la prochaine étape sur sa liste de souhaits en matière de football. Le retour potentiel de Messi à Barcelone captiverait sans aucun doute l'imagination des fans de football du monde entier. Cependant, pour l'instant, la situation reste incertaine, laissant les supporters attendre avec impatience les annonces officielles de l'Inter Miami et de Barcelone. Si l'Inter Miami ne se qualifie pas, des rumeurs, relancées par Sport, indiquent qu'il pourrait permettre à Messi de rejoindre le FC Barcelone sous forme de prêt en janvier. Des clubs de MLS ont déjà procédé de la sorte par le passé, David Beckham allant à l'AC Milan et Thierry Henry retournant à Arsenal. De son côté, le joueur de 36 ans a connu des problèmes physiques ces dernières semaines et pourrait justement profiter de cette pause pour recharger les batteries, notamment avant la Copa América avec son pays cet été. En tout cas, des sources du club américain et du joueur ont assuré que cette possibilité n'avait jamais fait l'objet de la moindre discussion. Si l'idée peut exister, Messi semble encore très loin d'un retour au Barça. Le Barça a besoin de Lionel Messi, donc nous espérons tous revoir notre meilleur joueur au Camp Nou. Merci pour le visionnage. Affaire à